Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo make-up. C'est mon make-up du printemps, on va dire. C'est celui que je fais tous les jours en ce moment en tout cas. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Amuse-toi, parle. J'aime bien la farcie. Donc je la fais chier pendant la question. Je suis un bâtard. Entre toi et la pluie, je vais pas m'en sortir. Non, parce qu'en plus j'ai vu ton snap, je me suis dit vas-y, quoi que je la fais pour la faire chier. Voilà. Moi en plus, je suis en mode gros plan sur moi. Salut. Je vais rajouter ensuite en coin externe la couleur Hot Fudge. De la barre Too Faced, bien sûr, de la chocolate bar semi-sweet Too Faced. Je vais venir ensuite estomper la couleur Hot Fudge. Si vous voulez un effet plus clair comme moi, estompez bien. Je vais reprendre ma palette Too Faced Sweet Peach et prendre la couleur Candied Peach. Toujours sur ma palette Sweet Peach, je vais prendre la couleur Bellini pour le mettre sur le reste de ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir faire mon trait d'eyeliner. Alors, je suis désolée, mais je n'ai pas réussi à cadrer. J'ai une nouvelle caméra et j'ai un petit peu de mal à m'en servir. Je vais venir recourber mes cils avec mon recourbe-cils de chez Sephora. Et ensuite, je vais appliquer une première couche de mascara. C'est le Fossil Superstar de L'Oréal. Je mets que la partie blanche pour commencer. Je vais ensuite venir appliquer le Fossil Push Up Drama de Maybelline. Avec un petit coton-tige, je vais effacer le mascara que je me suis mis autour des yeux. Et voilà, le résultat des yeux fini. On va ensuite passer au teint. Je vais commencer par cacher mes petits boutons avec mon correcteur Superstar Stay 24 heures de chez Maybelline. Je viens ensuite appliquer mon fond de teint de chez Sephora. C'est le teint infusion en teinte numéro 20.
Je viens ensuite faire mon contouring à l'aide de la petite palette Revolution Makeup London en utilisant le bronzer qui est à l'intérieur. Et je viens estomper le tout avec un gros pinceau. Et voilà le résultat final du make-up. Sur mes lèvres, j'ai rajouté le Velvet Passion, c'est le numéro 319 de chez Kiko. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous sur vos joues!